conditions en chantier ce midi sur la Canora. Bonjour à toutes et à tous. En un temps qui devient variable, une température extérieure qui est relevée à 16 degrés, pardon. Une température de l'eau qui est à 14 degrés. Une marée qui est actuellement en train de monter. Le plan haut est à 14h20 avec des petits coefficients de 43. Sur cette mi-marée montante, le vent a tourné. Il est passé avec un secteur nord-nord-ouest. Il est soutenu à 4 beaux-forts établis. J'ai relevé sur la plage du 13-15 nœuds établis, des pointes à presque des fois 18 nœuds, des fois un tout petit peu plus, mais on va dire un bon 4 beaufort établis. Le plan d'eau est clapoté et moutonné, les phases de vagues sont ridées, c'est le chantier, et on a une houle qui est à le long avec 13 secondes de période orientée ouest-nord-ouest. Elle est agitée multipique, elle est à la hausse, et il y a un déferlement régulier de 1m50, sur les séries il y a 1m80 à 2m. C'est en vrac, c'est costaud, c'est solide, c'est pas joli, c'est moche, c'est pourri, c'est carrément pas valable. Joe, personne à l'eau à part les débutants dans les mousses. L'évolution pour le reste de la journée, pas d'amélioration en vue. Même si la bouée Arcachon stationne dans les 3 mètres et 8 secondes, derrière, il y a du costaud. La bouée Brest est en nette hausse à 7 mètres et 12 secondes. Et ça va arriver très vite en fin de journée, ça va grossir et le vent va se maintenir. Bref, pas de surf et pas d'action, sortez les ailes. Les prévisions à 13h, 2 mètres, houle ouest-nord-ouest, 13 secondes de période, vent de nord-nord-ouest à 4 beaufort. Et à 17h, il y aura, peut-être pas pile poil à 17h, mais sûr, en fin de journée, il y aura 2 mètres, 2 mètres 50, houle ouest-nord-ouest, 13 secondes de période, avec un vent nord-nord-ouest à 4 beaufort. Pas de surf possible, du kite possible. Prochain point, ça c'est sûr, demain matin à 6h. Merci.